le décès de Johnny Hallyday le 5 décembre dernier, le mois de mars était signé de joie et de bonheur pour son épouse Laetitia. Mais l'année 2018 a sans aucun doute un goût amer et une résonance particulière pour elle. En effet, le dimanche 18 mars, l'ancien mannequin et seul bénéficiaire de l'héritage de l'interprète de Je te promets a célébré ses 43 ans. Un premier anniversaire sans son homme, Johnny Hallyday. Heureusement, la maman de Jade et Joie a pu compter sur le soutien de plusieurs amis, dont la chef étoilée Hélène Darroze, ou encore le réalisateur Pierre Rombaldi, qui n'ont pas hésité à partager des mots tendres sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le seul anniversaire célébré en ce mois de mars. Dans quelques jours, le 25 mars prochain, Laetitia Hallyday aura dû fêter ses 22 ans de mariage avec le célèbre rocker. Mais le destin en a décidé autrement. Souvenez-vous, c'est en 1996 que Laetitia Boudou, de son vrai nom, alors âgée de 21 ans, se mariait avec l'idole des jeunes. Des noces de bronze qui devraient être difficiles à gérer pour Laetitia Hallyday, d'autant que la dernière épouse de Johnny est dans la tourmente depuis l'annonce de Laura Smet et David Hallyday, qui contestent le testament de leur père. Mais malgré la peine, elle a décidé de se battre jusqu'au bout pour faire valoir les dernières volontés de son époux. Le 30 mars prochain, une nouvelle audience aura lieu au tribunal de grande instance de Nanterre au sujet de la succession. Crédit photo, Cipa Presse.